secrétaire général du ministère de la Santé a reçu la donation, remercié la Chine pour son aide et loué la coopération entre les deux pays. Les contributions de la Chine s'inscrivent dans la mise en place du plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Cet antipaludique efficace et sûr est considéré comme un cadeau de la médecine traditionnelle chinoise pour le monde entier. Je voudrais remercier le gouvernement de la Chine qui nous aide depuis quelques années à renforcer les dispositifs de prise en charge des cas de paludisme, contribuant ainsi à l'atteinte de la couverture universelle en termes de traitement pour les cas simples de paludisme au Sénégal.